On va faire au départ de ce grand titre, que je pourrais d'ailleurs faire encore plus grand, parce que je trouve que il faut y aller. On est à l'époque de la macrotypographie. Donc la macrotypographie, ça veut dire qu'on utilise du texte bien grand. Je gère également éventuellement l'interlignage. N'hésitez pas, vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Donc une fois que vous avez votre titre qui est bien paramétré, on va faire un style. On va l'appeler, on va faire dans le menu de la palette style de paragraphe, on va demander nouveau style de paragraphe, et je vais l'appeler titre de premier niveau. Autrement dit, ça veut dire c'est un grand titre. C'est le terme qu'on utilise. Titre de premier niveau, c'est le terme professionnel pour dire que c'est un grand titre. Appliquer le style à la sélection et cocher. Voilà. Le grand titre, là, utilise titre de premier niveau. C'est le nom de son paragraphe, son style de paragraphe. Du coup, là, je vais cliquer à côté de tout pour que rien ne soit sélectionné avec la flèche noire. Et on va aller modifier l'autre style. Donc, soit vous double-cliquez sur lui, soit vous faites un clic droit à modifier. Mais en tout cas, il faut le faire en n'ayant rien sélectionné. On a cliqué avec la flèche parce que sinon, ça risque de l'appliquer sur ce qui est sélectionné. Donc, je double-clique. Et lui, je vais l'appeler titre de, à votre avis. Eh oui, second niveau. Voilà. Donc, les titres de second niveau sont logiquement ceux qui sont plus petits et qui sont là. Et donc, il faudra que je m'occupe de l'interlignage. C'est un peu foireux, mais ça va, ça passe.